Alors que les Jeux Olympiques de 2024 organisés à Paris se rapprochent à grands pas, la fille d'un visage emblématique de TF1 a déjà l'édition 2028 de cette compétition sportive dans le viseur, comme elle l'a révélé aux Parisiens. Prévue pour l'été 2024, les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris seront une échéance capitale pour l'ensemble des athlètes français qui comptent y participer. Ils devront ainsi faire honneur au public tricolore, qui n'avait plus accueilli ce célèbre événement sportif depuis déjà plus d'un siècle. De leur côté, les champions sachant d'ores et déjà qu'ils ne pourront pas participer aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine commencent à se projeter vers la prochaine édition prévue en 2028. Si est notamment le cas de la fille d'un célèbre visage de TF1, qui espère représenter la France durant les épreuves d'équitation à Los Angeles. Âgée de 22 ans, Anouk Cantelou, qui n'est autre que la fille de l'imitateur Nicolas Cantelou, s'est confiée dans les colonnes du Parisien sur ses objectifs sportifs à long terme samedi 13 mai 2023. Le fait que la fille du célèbre imitateur de TF1 se soit lancée dans une carrière sportive hippique est tout sauf un hasard. En effet, son père est passionné par les chevaux depuis toujours. Durant son adolescence, il avait fréquenté le centre CPA de Segonzac, situé en Corrèze, afin de préparer le monitorat d'équitation, qu'il a fini par passer haut la main. Montant très régulièrement à cheval, l'ancienne voix emblématique d'Europe 1 est aussi diplômée de l'École nationale d'équitation de Saumur, située dans le Maine-et-Loire. En 2016, Nicolas Cantelou s'était également illustré en compétition, en obtenant le titre de vice-champion de France major des plus de 40 ans, dans la catégorie concours complet. Je montais à poney avant même de savoir marcher. D'ailleurs, je suis né dans une maternité qui se trouvait en face de l'hippodrome de Maison Lafitte, a révélé Anouk Cantelou. Membre de l'équipe de France d'équitation junior depuis 2018, avant de passer chez les seniors en 2022, la fille de Nicolas Cantelou a expliqué pourquoi elle articule sa vie quotidienne autour de sa passion pour les chevaux. On ne devient pas championne toute seule. On n'est rien sans son cheval, avec lequel on forme un couple. Et pour que ça marche, il faut du temps pour bien se connaître. Je suis comme tout le monde, je rêve de faire les Jeux Olympiques. Pour une Française, voir ce profiler les Jeux de Paris est très excitant. Mais je ne serai pas prête, a-t-elle souligné, avant d'ajouter, mon objectif, si est-il Los Angeles en 2028. Et si ce n'est pas le cas, il y aura Brisbane, Australie, en 2032, et peut-être d'autres Jeux derrière. Je suis encore jeune et une carrière de cavalière si est-il longue.